jour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. L'huile essentielle de citron a de multiples propriétés hautement bénéfiques pour la santé générale et pour améliorer le bien-être. Ses propriétés les plus importantes sont l'augmentation des globules blancs et des diurétiques. Il est préparé à partir du zeste de citron, par distillation à la vapeur. Cependant, peu d'entre nous ont le bon mécanisme pour mener à bien ce processus. Par conséquent, dans cet article de com, nous vous montrons un moyen très simple et efficace de fabriquer de l'huile essentielle de citron à la maison. Pas à suivre. 1. Pour faire l'huile essentielle de citron, vous aurez besoin d'un citron, d'huile d'olive vierge et d'un sac à fermeture automatique ou d'un récipient avec un couvercle capable de contenir des températures élevées, comme un bocal en verre. La première chose à faire est de chauffer une casserole ou une casserole avec de l'eau pour plus tard. Ensuite, épluchez le citron pour extraire la peau. S'il y a des traces de la couche blanchâtre du citron dans la coquille, grattez-les pour les enlever, seule la partie jaune nous intéresse. Comment faire de l'huile essentielle de citron, étape 2. Maintenant, introduire le zeste de citron dans l'eau chaude pour finir de retirer tout goût amer. Laissez-le pendant une minute environ. Pendant ce temps, placez le sac à fermeture automatique ou le récipient avec le couvercle ouvert dans une autre casserole et introduisez un peu d'huile d'olive vierge, de sorte qu'elle atteigne plus ou moins la moitié du seau. Après la minute, vous verrez que le zeste de citron atteint l'eau légèrement jaune. Retirez la coque, mettez-la dans le sac avec l'huile et fermez-la, l'eau n'est pas nécessaire. Comment faire de l'huile essentielle de citron, étape 4. Maintenant, vous devez chauffer le sac ou le récipient au bain-marie, nous l'introduisons donc dans l'étape précédente dans une casserole. De cette façon, nous simulerons la distillation à la vapeur, l'infuser et obtenir l'huile essentielle de citron. Laissez-le entre 2 et 3 heures. Après le temps, retirez-le du feu et laissez-le reposer pendant 24 heures. Le lendemain, vous pouvez le stocker dans un récipient avec un couvercle et le réserver dans un endroit frais et sans humidité. Comme vous pouvez le constater, la fabrication de votre huile essentielle de citron est très simple et économique, car elle ne nécessite que 2 ingrédients. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes, astuces pour la santé, rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, recettes pour la chute des cheveux, conseils en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.